Salut à tous, c'est DSSW9 pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2. Alors, le sujet de conversation, avant de vous le dévoiler, je voudrais vous dire quelques petits trucs par rapport à mes abonnés. Alors, merci à tous les potes qui m'aident au quotidien. Là, dans la partie, il y avait Psy et deux que je ne connaissais pas, mais bon, on a parlé, on va dire, 5-10 minutes ensemble. Oh, voilà, ils ont rage quit dans la partie. Et en fait, le sujet de conversation d'aujourd'hui, c'est mes scores au quotidien. C'est ça que je fais pratiquement au quotidien pour vous présenter au moins un bon gameplay. Après voilà, ça c'est un peu difficile au quotidien de faire des bonnes parties parce que déjà d'un côté, je vais avouer un peu que il y a pas mal de de campeurs surtout sur cette partie. Et on était en mode ligue tout ça ensemble parce que il faut pratiquer que du mode ligue. Et puis voilà. Après ce que je voudrais vous parler sur mes scores à l'actualité quoi. Minimum par partie c'est 10 kills mais ça arrive pas très souvent. D'habitude mes scores au quotidien ça varie entre 20 et 40 kills. Et mais après aussi 42 kills il faut les atteindre. C'est comment dire un peu difficile pour moi pour commencer à bien m'habituer de des maps. Même si je connais à peu près tous les spawns, à peu près tout. J'ai du mal à me concentrer sur ce Call of Duty. Mais bon, on va bien y arriver un jour, quoi. Après, sur ce gameplay, j'étais à la PDW avec le canon long, balle blindée et chargeur grand cap. Donc, trois accessoires, quoi. Qui me sont. Enfin, moi je vous le conseille surtout sur cette arme parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. Les balles sont pas mal, mais bon, si vous voulez enchaîner, on va dire 6 ennemis de d'un coup ou un truc comme ça, c'est largement possible avec le chargeur qu'elle a déjà. Avec chargeur grand cap, c'est encore mieux. Canon long et balles blindées pour faire beaucoup plus de dégâts et avoir plus de précision avec canon long. Et puis c'est à peu près tout. Après, j'étais un atout pillard et détermination, sûrement. Et en deuxième, comment dire, dans les deuxièmes cases d'atout, j'avais mis. Ah non, 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 j'avais mis invisible Ah, je me rappelle plus parce que je me rappelle pas. Je sais pas si je peux le voir là, non. Non, parce qu'en fait, je suis en train de regarder le gameplay en même temps pour voir quand ça s'arrête. Mais bon, cette partie était vraiment pas mal. Pourtant, c'est mes scores au quotidien pratiquement. J'ai un compte spécial pour faire beaucoup de trucs. En fait, j'ai un compte pour le zombie, j'ai un compte pour la compétition et un compte seulement pour l'amusement entre amis, donc DSS 3, 4, je sais pas quoi. C'est vraiment un compte que je m'amuse avec mes abonnés. S'il y en a qui veulent m'ajouter, DSSWX9, c'est plutôt pour mes abonnés. Mais bon, vous pouvez m'inviter sur ce truc parce que en fait, vous avez juste à mettre pause, regarder mon pseudo en bas quand je tue quelqu'un. Ou si vous voulez, j'essayerai de voir mon pseudo. Et je fais partie de la CT9. Dès que possible, je vais demander s'ils veulent comment dire que je fasse une team directement sur Elite. Mais pour l'instant, on a juste une team. En fait, c'est avec Last Warrior qui était avec moi qui faisait les gameplays les deux précédents de ce week-end. Et voilà. Après, comme vous voyez, en début de partie, je me suis fait pas mal laminer. Mais bon, c'est vraiment. En plus, c'est ma troisième partie de quand je suis rentré de l'école, donc je trouve déjà que c'est pas mal.
Alors, après, je voudrais parler de vite fait un petit truc qui me dérange juste un tout petit peu. Comment dire, c'est pas pour toi, TVX, attends, c'est TVX Gaming, je crois. Comment dire, tu m'avais fait un commentaire sur le zombie qui m'a plu, mais qui m'a fait même un peu rigoler. En fait, le zombie, t'es pas obligé de faire des coups de cut au début, en fait des coups de couteau, si tu n'en as pas envie. Moi, c'est pour gaspiller toutes mes munitions pour après directement enchaîner pour m'acheter une arme. Moi, c'est comme ça que je fais. Puis voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très dans les normes de zombies. Je suis pas quelqu'un énormément fort du zombie. Si j'ai un pote qui s'appelle Sosa, qui est vraiment, pour moi c'est un des plus forts zombies, enfin pour moi, parce que j'en ai pas rencontré tellement, parce que sur Black Ops premier du nom, il avait fait des scores de ouf quoi. Il arrivait à survivre au même, je me demandais, il se faisait tuer, je sais pas, non, bah merde, il se faisait taper, je sais pas combien de fois, et il mourrait jamais, donc c'est un peu bizarre. De le retrouver sur Black Ops 2. J'ai joué deux parties ensemble. On avait fait une fois en mode lutte et une fois en mode transit. Franchement, petite dédicace à toi sur ça. Et puis voilà. Après, je vous marquerai aussi le lien de, si je la retrouve, la chaîne YouTube de tout ça. Il fait pas du tout de Call of Duty. Enfin, si, il fait du Call of Duty, mais sur sa chaîne. C'est seulement de la musique parce qu'il faisait des bonnes musiques quand même il m'avait dit qu'il allait arrêter parce que il a pas vraiment le temps à consacrer parce qu'il a ses enfants et tout ça à s'occuper donc voilà. Après aussi petite dédicace à Activus, Dark Space 333 et Zoxy et Heroes. C'est et aussi Captain Falcon, enfin je vous récite à peu près tous ceux du groupe de youtubeurs, ça avance pas mal du côté là. Après il y a quelques autres youtubeurs dont je vais essayer de retrouver les noms. Non non non. Après ouais je me rappelle plus trop des autres youtubeurs, mais il y en a encore pas mal. Enfin, Captain Falcon n'est pas encore fait pas partie encore du groupe de youtubeurs, mais j'aimerais bien qu'un jour il arrive à venir dans le groupe de youtubeurs. Mais bon, comme lui il a 10 000 abonnés, donc venir dans un groupe de youtubeurs où le maximum pour l'instant est de 3 000. Mais moi il me dit, enfin il m'encourage tout le temps pour faire les vidéos parce que perso, moi je trouve que pour l'instant je fais du bon travail après. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si je fais du bon travail, ou même mettre un pouce vert, ça me ferait énormément plaisir. Parce que moi, perso, je suis un youtubeur qui débute depuis 2 mois. J'ai déjà 67 abonnés. Pour moi, c'est énorme. Dès que j'arriverai aux 100 abonnés, je vous ai dit, je vous préparerai un truc énorme. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas encore à 100 abonnés. Même, on va dire, il me reste à attendre. 30, 33 abonnés, voilà. 33 abonnés, ça va être dans pas longtemps, quoi. Attendez, 3 secondes. Je dois réfléchir à un truc vite fait. Alors, ouais. Après, ce qui m'intéresse sur Call of Duty, c'est surtout la variance de ce qu'ils nous proposent. Mais après, c'est vrai que. Il y a un gros problème que je trouve sur les Call of Duty, que je retrouve sur tous les Call of Duty, c'est bien sûr les campeurs. Ils ont bien amélioré quand même pour que qu'il y ait moins de campeurs, mais bon, voilà, c'est bien dommage. Voilà, c'est bien bien dommage. Il manque 36 abonnés pour arriver aux 100 abonnés. Franchement, moi je vous dis énormément merci parce que surtout que les abonnés que j'ai là, ils sont très actifs sur mes vidéos. Je le vois sur mes vues. Ça le fait même. Je sais pas si vous passez ma chaîne de temps en temps. Si vous pouvez faire passer ma chaîne
Ça me ferait énormément de plaisir si vous voulez rejoindre notre groupe de youtubeurs. Bah, je vous dis pas non, vous m'invitez sur Skype, voilà. Bon, allez, à la prochaine pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2 Zombie ou multijoueur ou mode League. Allez, à la prochaine pour une vidéo de Call of Duty. Bref. Ou du code 4, peut-être. Si, j'ai envie de retourner. Allez, à plus.